un homme sur une place. Ou plutôt, deux hommes sur une place. Ou plutôt, trois, plein d'hommes sur une place. Ou plutôt, plein d'hommes et de femmes et d'enfants et de vieux. En somme, une place bondée. Mais en particulier, il s'y trouve deux hommes. L'un en uniforme. Et l'autre en t-shirt. L'un avec un pistolet. Et l'autre avec un extincteur. Et voici que l'homme en uniforme sort son pistolet et tire sur l'homme à l'extincteur. Bam! Cet homme, qui en fait est encore un gamin, meurt et tombe par terre. Quelqu'un dit, allez! Quelqu'un d'autre appelait une ambulance. Moi, je souris et je pense, la gravité. La loi de la gravité. Si un truc tombe, ça signifie que cette loi a été respectée. Moi, je dis, si ça tombe, c'est que ça marche. Souris, il ne s'est rien passé. La vie continue. Un autre exemple. Une poire verte. Peu à peu, elle mûrit. À un moment donné, elle se détache de sa branche et elle tombe. Blanche. Certains se demandent... Est-ce que c'est une poire bio? D'autres se disent, oh Pecno, jamais tu ne feras savoir combien le fromage est bon avec une poire. Mais moi, je souris et je pense encore la gravité. La loi de la gravité. C'est une loi simple et efficace qui ne vous fait jamais faux bon. Pour la gravité, il n'y a pas de différence entre un gamin et une poire mûre. Moi, je dis, si ça tombe, c'est que ça marche. Souris! Il ne s'est rien passé. La vie continue. C'est carré, fonctionne. C'est carré, fonctionne. Souris, souris, il en reste juste la vie. Souris, souris, la vie t'a continué. Un autre exemple. Un anarchiste à la préfecture de police de Milan. Il vole par la fenêtre. Oh. Certains disent c'est un suicide. D'autres disent c'est un meurtre. Mais moi, je souris. Et je pense toujours à la loi de la gravité. Même un anarchiste, il faut qu'il la respecte, cette loi-là. Rien. On ne peut opposer aucune résistance à la gravité. Moi, je dis, si ça tombe, c'est que ça marche. Et souris, il ne s'est rien passé. La vie continue. C'est carré, fonctionne. C'est carré, fonctionne. Souris, 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 la vie t'a continué. Un autre exemple encore. Un avion qui survole la Sicile. Il explose. Waouh. Des fragments de plastique, de métal et de gens tombent dans la mer d'Oustica. Certains disent c'est une bombe. D'autres, c'est un missile. C'était la guerre ce jour-là. Mais moi, je souris et je pense, c'est bien elle. C'est ma loi de la nature. Elle règne partout, à Milan et en Sicile. Et en Sicile. Moi, je dis, si ça tombe, c'est que ça marche. Et alors, je souris. Parce qu'il ne s'est rien passé. La vie continue. Vous me considérez comme quelqu'un de superficiel. Parce que si ça se trouve, vous êtes du genre qui s'informe. Vous vous indignez. Vous vous mettez en colère à cause des injustices. Et ensuite, vous allez mal tout le reste de la journée. Mais moi, j'ai tout misé sur la gravité. Et il y a des gens qui misent sur une équipe de foot. Ouais!
Il la suit en déplacement, et voilà qu'elle perd le championnat et qu'elle finit en série B. Et leur vie est bonne à jeter. Il y a des gens qui misent sur la politique, ils prennent la carte du parti, ils suivent leur leader de réunion en réunion, et voilà que celui-ci finit en prison. Oh, et pire encore, qu'ils ne s'y retrouvent même pas. Et leur vie devient vraiment pourrie. Oh, il y a des gens qui misent sur l'amour. Oh. Ils se marient et font des enfants. Ils payent l'emprunt pour leur maison et ils planifient leurs vacances. Oh, ils achètent un monospace à crédit. Et voilà que leur famille devient un enfer. Pire, au bout du compte, elle ne se brise même pas. Eh bien moi, j'ai tout misé sur la gravité. Elle, elle ne me fait jamais faux bond. C'est ma grande histoire d'amour. Mais je ne suis pas un pauvre type. Moi aussi, quelquefois, j'ai des doutes. Alors, je fais une expérience. Je prends une pièce de monnaie. Pas la peine que ce soit une pièce qui vaut beaucoup. Ça marche aussi avec un centime. Et même avec de vieilles pièces qui n'ont plus cours. Je prends une pièce de monnaie. Je prends une pièce de monnaie. Et je la lance en l'air. Pendant un instant, j'ai des sueurs froides. Je pense peut-être qu'elle ne va pas tomber. Peut-être que ce coup-ci, ça ne va pas marcher. Et je pense au gamin, à l'extincteur qui reste debout au milieu de la place bondée. Je pense à la poire mûre qui reste accrochée à sa branche. Je pense à l'anarchiste suspendu dans les airs devant la préfecture de police de Milan. Je pense aux fragments de métal, de plastique et de gens qui flottent parmi les nuages au-dessus de la mer d'Oustica. Je me dis, peut-être que cette pièce de monnaie va continuer à voltiger devant mes yeux à jamais. Et puis la pièce retombe. Je souris et je pense la gravité. La loi de la gravité, c'est une loi simple et efficace qui ne fait jamais faux bond. Alors ne me considérez pas comme quelqu'un de superficiel. Il y a des gens qui explorent les causes de tous les phénomènes. Ils croient qu'il faut trouver la racine cachée de toutes choses. Mais il n'y a pas de racine. Il n'y a que des branches sèches qui poussent sur des troncs secs. Sorridi, sorridi, la vita continua.